Situation confuse la matinée de ce jeudi au camp OEBK de Matadi. Les agents de cet établissement public ont manifesté devant la villa qu'occupe leur ancien directeur général adjoint. Ils lui reprochent d'occuper cette résidence illégalement car ne faisant plus partie du comité de gestion, moins encore de cette entreprise. Plus d'éclairage autour de ce grand avec notre permanence sur place, Dadi Simbadio. Au cœur de cette grogne de la part des agents de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, OEBK Matadi, l'occupation, je cite, illicite d'une villa située dans les camps de cadres de cette entreprise par l'ancien directeur général adjoint Jean-Claude Mavambou. Avant de se rendre dans leur lieu de travail respectif, ils ont commencé par manifester devant l'habitation de leur ancien DGA, de qui ils exigent la libération immédiate et sans condition de cette villa de l'entreprise. Sur ce d'ailleurs, ils ont brûlé de pneus devant l'allée et les portails qui mènent vers la villa en question. Augustin Ngoyolava, président de la délégation syndicale de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, OEBK Matadi. Nous, cadres et agents de l'OEBK, déclarons ce qui suit. Monsieur Mavamboubaka Jean-Claude, ancien DGA à l'OEBK, a été révoqué de ses fonctions dans le comité des prédateurs pour détournement de deniers publics depuis le 8 mars 2022 et continue à occuper nos installations et véhicules alors que tout le monde qui était avec lui dans les dits comités a déjà libéré. Par contre, lui, il déclare être l'ami du chef de l'État et que personne ne va l'inquiéter. C'est ainsi que nous demandons à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, de lui trouver d'autres installations en dehors de la nôtre, car il cause préjudice à l'OEBK en supportant ses mandataires au paiement des chambres à l'hôtel alors que cette villa leur sont réservées. Le slogan du chef de l'État qui consiste à privilégier le peuple est bafoué par ces messieurs. Nous disons le peuple d'abord. Outre les déguerpissements de la maison de l'OEBK, ces agents réclament également de leur ex-DGA la restitution du véhicule de service utilisé par lui, car il ne fait plus partie du comité de gestion de cet établissement public sous tutelle du ministère des Transports et Voies de Communication, moins encore de cette entreprise.